propres acteurs de notre destinée. Donc ça, c'est l'horizontalité parfaite de ce qu'on veut, et tous ensemble, pas simplement Gilets jaunes. Nicolas Herstein. Bonsoir à tous. Donc je vais vous présenter un sondage qu'on a fait à l'occasion du grand débat national organisé par le gouvernement. Il a pour objectif d'être ouvert à tous les sujets préoccupants des citoyens, notamment les questions écartées du grand débat par le gouvernement. Et on l'a fait sur 5 thèmes différents. Ce qui a été intéressant, c'est qu'on a fait un boîtage de 11 000 et on a eu un meilleur retour que ce que le gouvernement a eu. Et en fait, ce qu'on a remarqué, c'est pour ça que je vous le propose aujourd'hui, c'est que en fait, on a 600 retours qui ont été faits. Les 600 personnes là aujourd'hui, ils sont derrière nous, et avant ils n'étaient pas derrière nous. Et ils ont eu un droit de parole. Donc c'était assez intéressant sur le principe là. Merci beaucoup. Ludo, Maison du Peuple. Oui, on a plusieurs groupes. Voilà, on s'est... C'est notre privilège. À Commercy, un appel avait été lancé à l'Institut de la Maison du Peuple pour ouvrir des Maisons du Peuple partout. Et on a essayé de préparer un petit peu à l'arrache pour cette assemblée des assemblées. On a fait une petite brochure dans laquelle on a essayé de mettre un petit peu toute notre expérience de ce qu'on a vécu ici depuis 4 mois. Et donc on vous propose un atelier pour vous présenter cette brochure et avoir une discussion libre sur ouvrir une Maison du Peuple, qu'est-ce que ça implique, comment on s'y prend, etc. etc. Est-ce que Christelle est... Vous aurez un toit au-dessus de la tête pendant ce week-end? Non mais je me tourne par là. Ah, il y a trop de télé, il y a trop de... Non, excusez-moi. Donc ouais, un big up à l'équipe de l'hébergement. S'il y a un souci, vous venez nous voir, on est par là-bas. Le truc à dire, c'était quoi? C'était de dire que on voulait faire un groupe de travail sur, en gros... quelle stratégie pour quelle alliance pour quelle stratégie, voilà, et je ne vais pas m'étendre plus puisqu'on doit en parler là. Non, voilà, non, mais c'est vrai, il faut être concis, ça vous va. L'idée, c'est on a été obligé forcément de se confronter à penser à la question des alliances, puisque je n'ai pas répété ce qu'elle disait la dame tout à l'heure, que si on reste qu'entre nous, comment peser politiquement, socialement, etc. dans les mois qui arrivent et continuer à ancrer le mouvement qui a commencé il y a plusieurs mois. Et donc cette question-là, elle est inéluctable. Après, nous, on va partager avec vous les expériences qu'on a déjà eues d'alliance. Voilà, en fonction de... Pour taper sur quoi, on s'est retrouvé avec qui. Et les points positifs, les points négatifs... Et un peu d'essayer de discuter ensemble, est-ce qu'on en sort des grands principes, est-ce qu'on en sort des petits principes, est-ce qu'on en sort des méthodes, des conseils, voilà, à partager ensemble. Donc j'invite les gens qui veulent parler de ça à ce qu'on se rejoigne dans un cercle, je sais pas où là, voilà, on va se trouver dans un cercle ensemble. Woo!